Nouvelle vidéo, je suis avec Amy LTR. Je peux regarder, t'es là. Salut. On vient d'arriver dans un endroit, on est à peine arrivé. Il se passe déjà plein de trucs, genre les K2 s'emballent de ouf, on n'a même pas eu le temps de s'équiper et que ça partait dans tous les sens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'était alerte orange sur tout le pays. C'est toujours jusqu'à demain soir. Et c'est toujours jusqu'à demain soir, donc on a eu quand même énormément de mal à arriver, sachant qu'il y avait des branches partout sur les routes, tous les arbres sont en train de tomber partout. Il y a énormément de vent, il y a des rafales de vent à plus de 120-130 km/h. Donc il est possible qu'on entende des portes qui claquent, des fenêtres qui s'ouvrent, etc. Tout ça est normal et lié au temps. Par contre, les K2 qui partent en couille dès qu'on arrive, puis qui s'arrêtent, c'est déjà hyper spécial. Mmh. On est dans un ancien moulin, et le monsieur qui possédait ce moulin est décédé ici, dans le bâtiment. Plusieurs... Oh putain, les portes. Il est mort de mort naturelle. Ok, ouais. Préciser. Et donc, mort de mort naturelle, plusieurs personnes sont déjà venues ici et ont pu observer des phénomènes paranormaux vraiment extrêmement forts, se sentir vraiment mal à l'aise, avoir les machines qui partent dans tous les sens. Oh putain, j'entends mal les bruits, ça va faire. Donc on a avec nous les K2, mais on a aussi pris, oh, je suis perturbée, on a pris un spirit pod, on a pris aussi les baguettes de magnétiseur. Ça claque de partout, c'est hyper angoissant. C'est horrible. Donc on a tout, on va les dispatcher un peu dans différents endroits pour voir si on les entend et si ça réagit. Et puis bon, bah on va aller se balader, et on va voir ce qui se passe, et à mon avis, on est bien parti. Si y a un intrus, je tape, hein. J'annonce. Hein. Let's go. Bon, je vous explique. On est un peu surexcité, je vous le dis. Hein. Il y a Amy. Ouf, oh la vache. Pardon, je m'habitue au bras. Il y a Kelly qui est derrière la caméra. Et alors, on a un accompagnateur qui est déjà venu ici, qui a vécu des phénomènes paranormaux et qui va nous guider à travers l'endroit. Non, déjà, moi, je commence juste par ça, là. Il y a une... Parce que là, vous ne voyez pas, vous. Je vais me retourner et je vais vous montrer comme ça. Mais là, il y a une pièce, déjà, elle est hyper chelou. Qui fait un trou dans un mur comme ça? C'est peut-être quelqu'un de très énervé. Je passe devant, j'imagine. Amy a un K2 en main, moi j'ai un K2 en main. Dès qu'il y a une activité, pour l'instant il n'y a rien. Et quand on est arrivé dans une des parties du moulin dans laquelle on se trouvait, le K2 s'est emballé directement. Quoi? Ah, par ici, par ici. Oh. Ah, le mien aussi. What? 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 Les trois? Ouais. Et ça? Tu dis, c'est le petit spell. On est tous en mode avion, t'as précisé quand même? Ouais, on est tous en mode avion comme d'habitude. Tous en mode avion. Très, très attention par rapport à ça. Et vraiment, moi qui habite à Paris, on est vraiment dans un endroit où il n'y a rien. Ouais, on est au milieu de nulle part. J'ai un signe dans l'œil. Quoi ? Soit ici ? Ok. Oh. Pardon, je t'ai pas fait ton avion. Que des fuites partout. Les gars, K2, montre les tiens. Là. Ouais. Ici. Waouh. Wow, il s'en passe de ouf. Je t'ai dit le petit spé numéro 2. Dès que tu rentres. Tu me permets d'avancer? Les enfants, putain.
tiens maintenant. C'est bien. Tiens aussi. Il s'est arrêté quand t'es tourné vers moi. Quand tu t'es tourné. Mais c'est rempli ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a quelqu'un avec nous? Il y a quelqu'un avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Oh oh. Oh oh. Oh putain de merde. Je t'avais dit, hein. C'est quoi ce bordel? Je m'attendais un petit peu. Stop. Au moment où tu dis stop, ça se remet. Voilà. De toute façon, on est arrêté. Arrêtez, arrêtez deux secondes. Stop, stop, stop. 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 Plus rien. Ok. Bon. Ils sont calmés. Recommence. Allez-y. Recommencez si vous êtes dans la pièce. Refaites fonctionner les K2 qui sont dans les mains, s'il vous plaît. Faites fonctionner les K2 qui sont dans les mains, s'il vous plaît. Ah, tu peux ou pas? Ouais, c'est sûr. Tu me suis, Jill? Oh. Oh, 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 putain, regarde, regarde, regarde. Je crois qu'il faut monter, hein. Bon, est-ce que vous voulez qu'on monte? Est-ce que vous voulez qu'on monte? Regarde, celui-là, celui-là, Jill. Celui-là. Est-ce que vous voulez qu'on monte? Oh, on va monter. Je suis dans ton délire jusqu'au bout, hein, t'as vu, hein. Tu notes pas. Fais gaffe, Jill, c'est les poids. Oh, c'est glauque, meuf, hein. Ouais. Ouais. Il y a des trous, Jill. Ok, ok. Pas, tu fais attention, tu montes. Ouais, ouais, ouais. J'aime pas trop. Tu me bad vibes? Non, je sais pas. Pas? Non. Ouais. Fais gaffe, ouais, les trous là et tout. Ne t'aventure pas trop dans les milieux de pièces parce que c'est là généralement que les sols sont les moins solides. On commence ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous maintenant ici dans la pièce à l'étage du moulin? Il y a quelqu'un ici avec nous à l'étage du moulin. Ça, je me fais pour une enquête. Triste. Ah, tu vois ce que je te disais, c'est le nom de charge. Sur une échelle de 1 à 10, le fait qu'il y ait des jeux d'enfants par terre, c'est combien? Le glauque est à 3000%, là, je pense. Oh putain. C'est une poussette, ça? Ah ouais, c'est un vieux truc de l'ango. English book. Dès que tu lâches une vanne, les K2 pètent un câble. Non, j'arrête d'être drôle, j'ai compris. Mais quoi, vous voulez pas rigoler avec nous?
Vous avez pas envie de rigoler avec nous un peu? Est-ce que vous trouvez Amy drôle? Oh, Amy, le néant. Allez, faites-nous un peu peur. Ouais. Oh. Fais gaffe à ce que tu demandes. Je suis néant et je suis vide. Au moment où j'ai dit ça, allez, faites-nous un peu peur, faites tomber des trucs ici dans la pièce. Fais attention à ce que tu demandes. Je sais. Non, mais moi, j'aime pas le truc d'à côté, là, viens, là. T'aimes pas quoi? Ça, là. Ah ouais. Oh putain, ouais, c'est quoi ça, là? C'est une pièce? Oui, avec des vitres entre. Je crois qu'en bas, c'était... il y avait un truc. Ouais, en bas, c'était assez fort. En tout cas, ça réagissait. C'est bon, bon, en bas, t'as une ambiance en plus parce que t'as tout. T'as tout qui craint. Je sais pas comment ça tient en plus. Ouais. Une théorie. Okay. Si, je pars dans ton délire à fond là. Okay. Théorie, ça clignote là, ouais. Ça claque à côté. Moi j'aurais tendance à dire, ah c'est là-bas qu'on m'attire. Ça claque où? Si quand ça s'active, ça a bougé quand j'ai dit ça, quand ça s'active, ouais. Et qu'on entend un boom quelque part, j'aurais tendance à me diriger vers le boom. Ok, faisons ça. Enfin, c'est, je sais pas, c'est une théorie peut-être? Ouais, non, faisons ça, je te suis. Là j'ai entendu, mais... On va nous faire un deuxième boom, hein. Est-ce que tu veux faire? Oh, oh, oh. Ouais. Ok, ils sont là. Ok, ils sont là. Tous les trois en même temps. Par où faut qu'on aille? Est-ce que vous voulez qu'on aille voir la maison? Est-ce que vous voulez qu'on aille à l'intérieur de la maison et qu'on sorte du moulin? Non. Est-ce que c'est dans la maison qu'on doit aller? Allez. Mm-mm. Ah. Mm. Est-ce qu'on doit aller dans la maison? Est-ce qu'on doit rester dans le moulin? C'est ici que ça se passe. C'est ici. C'est ici. Putain, je rentre dans ton truc, moi. Je rentre à fond de temps. Oh, regarde, tu te marres, regarde. De nouveau. Mais moi, ils n'aiment pas que je rigole, je crois. Putain, regarde. Ils veulent pas que je rie. Regarde, non, ils veulent pas que je rigole. Attends. Est-ce que le vent porte le réseau? Non, parce que je suis venu le pour passer, il n'y avait pas de vent. Non, non plus. Mais ça fonctionne vraiment. Ouais. Tu peux le dire, ça? Que le vent n'apporte pas d'onde électromagnétique dans la pièce. La personne qui est venue avant nous... De toute façon, regarde, le vent a augmenté, il n'y a pas eu de réaction dans les cas 2. Ouais, c'est vrai. Ah, maintenant, regarde chez lui. Est-ce que c'est l'endroit? C'est là, moi j'ai fini. Ouais, regardez, lui il n'a plus rien. Parfois t'as vraiment les 3K2 qui s'activent en même temps, donc ils ressentent quelque chose au même moment. Et parfois,
ça se calme en une fois aussi tout seul, quoi. C'est hyperspace. Je comprends pas trop, en fait, le message, quoi, tu vois. Là, et on se met là. Ah, ça j'aime pas ça. Oh, j'ai mal dans les ovaires. Je sais pas. Il y a une pute à Evelyne. Quoi ? Il y a quelqu'un qui est venu. La photo, elle était pas cassée. Elle était... Ah, quelqu'un est venu, tu veux dire ? Ouais, je suis venu la semaine passée. Écoute le vent, écoute le vent. Je suis venu la semaine passée, là, j'ai fait une photo, là. Il bouge plus ou il bouge encore, la vidéo, là ? Il bouge plus. Il a bougé dès que je suis rentrée. Je l'ai vu aussi. À côté de la porte. Il a vu aussi bouger. Mais il sort d'où, l'air ? La porte, elle est fermée, là. Le K2 ? Ouais, K2. Regarde. Bah, j'ai un fusil. Je sens plus, j'ai froid, putain. Non, mais attends, moi je l'ai vu bouger le rideau. Hein. Il sort d'où cet air ? Il y a le K2, faut que ça. Attends. L'air sort d'où ? Putain. Il doit y avoir de l'air derrière, parce que les lots ne bougent pas. La croix, c'est fermé ou c'est ouvert ? Il y a un trou ? Attends, quelqu'un peut vérifier à part moi, parce que j'ai pas de sensation dans les doigts, ils sont froids, s'il y a de l'air qui sort de la fenêtre ? C'est quoi ? Oh putain ! Moi j'en ai pas senti. Mais c'est quoi ce grand maître ? Vous êtes le monsieur qui habitait ici, qui est décédé ici ? Rapprochez un petit peu. Oh putain. Donc vous êtes bien le monsieur qui est décédé ici dans cette maison, la maison du moulin ? Il bouge plus le dos. Ok, regarde. Oh putain, la merde. Il faut blader ça. What? Regarde les cadeaux. Ouais. Ok, donc vous êtes le monsieur qui est décédé ici. Merci, bonjour. Ouais, ok, d'accord, on a compris. Comment il s'appelle ? Dardenne ? Monsieur Dardenne, c'est vous ? Monsieur Dardenne ? Regarde, Gilles. Quoi ? Là, le rideau. Ok. Vous êtes monsieur Dardenne ? Ah, ok, c'est lui. Le délire. Ok. Ok. Bon, alors je vais faire l'expérience du rideau. On va aller voir déjà. Je sens pas l'air. Ça me dérange le rideau parce que je ne comprends pas. Ça va faire un impressionnement, c'est chaud, tu vois. Mais le rideau, je comprends pas. Ça m'énerve de pas comprendre. Et là, il bouge. Je sens pas l'air, tu vois. Dans le même temps, vas-y. Mais non, avec ça. Ah oui, ok. C'est juste une planche, je pense. Oui, ça vient de là. Non, si, ça vient de là. T'as un trou devant. Clairement, ouais. Il y a une porte, en fait. Ça, t'as un trou devant une porte, t'as déjà vu ici. Ok, ok. Donc, c'est le rideau, c'était uniquement le vent. J'ai pas la caméra, c'était bien. Ok. Monsieur Dardenne, bonsoir. Est-ce que vous voulez bien communiquer avec nous, monsieur Dardenne ? Ok, oui. C'est sûr ? Oui, tu peux mettre tes mains. Oui. Monsieur Dardenne, vous voulez communiquer avec nous ? Non, j'ai pas la sensation. Vous ne voulez pas communiquer avec nous, donc ? Est-ce que c'est vraiment lui ? Est-ce que vous êtes monsieur Dardenne ? Je sais pas, j'ai un doute. Moi, j'ai un doute. Je veux pas trop rentrer dedans. Mais c'est ça qui est parce que moi je suis en train de me battre entre deux idées dans ma tête. Mais okay, moi... pour toi ce n'est pas monsieur Dardenne. Non. Quelqu'un se joue de nous. Si je rentre dans le délire, si je rentre dans le truc, que je dis ok, tu sais quoi, ouais. Je pars toutes mes idées concrètes, okay. Et je pars dans ton délire, ouais. Moi j'y crois pas une seconde. Pour moi c'est quelqu'un d'autre. Ok, Pour toi, si je rentre. Je suis concrètement, pour moi, si on part dans le délire, un mec est mort de mort naturelle.
Ouais. Il s'en va, si on part dans le truc. Ok. Il est mort de mort naturelle, on est sûr, hein. Mais pas certain. C'est ce que t'as trouvé, c'est l'info que tu as. Ok. Moi, pour moi, un mec comme ça, il reste pas ici. Il est où le troisième K2? Ah, il est là. Il reste pas ici, tu vois. Une fois, on prendra un en main. Bon. Et pourquoi ce serait sur une mort naturelle? Si on part sur la mort naturelle, c'est une mort qui, en général, amène la paix. K2. Donc, si j'amène la paix, je ne suis plus ici. Si je ne suis plus ici, je suis quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'autre? Putain, il nous fait tourner... Oh! Ok, donc vous êtes quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes la femme de Monsieur Dardenne? Est-ce que vous êtes la dame qu'on a vue sur la photo? Je sais pas si on revoit les frissons, j'ai trouvé un truc. C'est pas le pire ici? C'est la pire dans une autre pièce? Ok, allons-y, on y va. Tout de suite? On y va, allez. Putain, encore ce masque! Donc, tu sais combien de fois on l'a déjà vu en Norvège, ce truc? Vous avez tous la même découpe? Est-ce que c'est un masque que vous aimiez bien? Est-ce que c'est un masque que vous aimiez bien? C'est un masque qui vous appartient, Madame Dardenne? Madame Dardenne? Madame Dardenne? C'est vous? What the fuck? Ah! Oh putain! Merde! Ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé! Regarde! C'est mon cadeau! Mais vieux, c'est quoi ça? Sol. Regarde le sol. Amy, regarde le sol. Quoi? Comme il est bombé. Ah ouais. C'est quoi ce bordel? Et il a fissuré en plus, il a pété là-bas. Il a eu une explosion en dessous, quoi. Chère Nanny, j'espère que tout va bien et que votre opération n'a pas été trop douloureuse. Ici, tout va très bien. La ville, les montagnes, la plage, les gens, la vie sont magnifiques. La famille qui m'accueille est formidable. Je viens rêve. Regardez, chaque journée, chaque minute, chaque seconde. Quel bonheur. Je reviendrai vous voir dans 6 mois. Je pense fort à vous. 1000 baisers. C'est toujours la même qui lui écrit. Tout le monde l'appelle Nanny. C'est quoi Nanny? Nanny? Nanny, c'est vous? Ah non, il n'y a rien d'écrit. Nanny, est-ce que c'est vous, Nanny? Un petit souvenir. Oh, c'est pas bon. J'essaie de rester calme, mais franchement... Nanny? Est-ce que c'est vous, Nanny? Est-ce que Nanny est avec nous? C'est quand j'ai lu la lettre que ça s'est emballé, ouais. Non? Ouais. C'est signé, c'est une carte où il y a tout le monde qui a signé et il y a marqué toute l'équipe de la Fondation contre le cancer vous souhaite un très heureux anniversaire. Et ça parlait d'une opération, elle a été malade, cette dame. Bah, ouais. Elle a été malade, je pense. C'est pour ça que tout le monde lui écrit, en fait. Elle a des lettres de plein de gens différents. Oh là là, il doit y avoir des vers là-dedans. Oh, ça irait bien, hyper, ça. Bon, bref. Oh, putain. Je pensais que c'était celle-là qui claquait. Elle a claqué là. C'est celle-là qui claque. Non. Non, parce qu'il y a l'une, je suis passée devant une porte qui était ouverte au moment où je suis passée. C'est l'autre qui claque. Je voulais pas vous vexer, hein. Je veux arrêter que ça claque, qu'on communique. Ah non, arrête. Je t'avais dit de mettre un petit visage triste dessiné sur le mur. En fait, c'est ça qui est glauque. C'est les... genre tout ce qu'il y a autour, en fait. J'ai une tête pas possible. Tu vois un truc qui te fait bader? Tu vois ça là? C'est quoi? Les petites poupées. Oh putain. Oh putain, c'est l'enfer. Ça, c'est le bas de fou. C'est l'enfer. Je sais pas, depuis tout à l'heure, ça tape. Je sais qu'il y a du vent, mais bon, il y a plein de portes ici. Pourquoi c'est celle-là qui tape? Oh putain. Quoi? Les K2 sont recoupés. Quoi? Les K2 sont recoupés. Sont recoupés? Sur la poupée. Ah ouais? Il y a dans le rouge. Juste sur la poupée. Regarde, tu enlèves, il y a rien. Comment ça s'appelle? Oh putain, c'est quoi cette... J'aime pas, là. La cave? Allez, non, il y a rien. Ouais, moi j'aime pas, par contre. Ouais, moi j'aime pas. Ah, bah, ça... Oh, regarde, Kelly! Film! C'est du...
Non mais t'as du vent. Les cadeaux. Putain, je sais plus où donner ta tête. Ok, le mien fonctionne. Oh. On peut pas la bloquer. Oh, les cadeaux. Quoi? Non, il faut descendre. Pardon, excusez-moi, deux secondes, la réalité. Les films d'horreur, c'est dans la cave que ça démarre. Moi, je descends pas. Est-ce qu'on peut juste pour que... Oh, la porte. Par contre, regarde, tu stresses de la poupée. Ah ouais. Et j'enlève, y'a rien. Et je remets sur la poupée. Ok. Oh putain. Regarde. On peut avancer jusqu'au bout de cette maison, voir les deux pièces. Ouais, ok, attends, tu sais quoi, je vais... Laisse-moi mettre un truc ici. Moi, c'est ici pour l'instant. Voilà. Je commence à m'essayer. Ça, ça fait plus... Ok. Oh, je suis pas bien. Non, je suis pas à mon aise. Elle se ferme plus. Depuis tout à l'heure, je vous dis, je kiffe pas ça là. Regarde, le K2 est comme un dingue. Si vous ne voulez pas communiquer avec nous, faites bouger la baguette de gauche vers la gauche. Si vous voulez qu'on s'en aille, faites bouger la baguette de droite vers la droite. Si on doit quitter les lieux, faites bouger la baguette de droite vers la droite. Si nous ne devons pas quitter les lieux, faites bouger la baguette de gauche vers la gauche. Amy. Quoi ? Ça bouge ? Amy. Qu'est-ce que t'as demandé ? Si elle veut pas qu'on s'en aille, faites bouger la baguette de gauche vers la gauche. Regarde-moi. Elle ne bouge pas d'un centimètre. Est-ce que vous pouvez vous remettre ? Amy, regarde. Remettez la baguette comme elle était, s'il vous plaît, en place, au milieu. Amy. Qu'est-ce que je fous là ? Amy, regarde. Ok, mais du coup, c'est ici, tu vois, à côté de la porte que je t'ai dit. Ça montre la porte. Est-ce que c'est lié à la cave ? Demande-lui. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans la cave ? Indique-lui la direction. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé dans la cave ? Il me dit non. Elle va vers le non. C'est le non par là ? Ouais. Ok, dans la chambre. Est-ce que vous pouvez vous remettre droite, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît ? Nani, est-ce que c'est vous, Nani ? Est-ce oui ou non ? Tu l'as bloqué la porte de la cave ? C'est moi qui amoute là ? C'est moi qu'on regarde ? Est-ce que vous montrez Amy ? Est-ce que vous pouvez vous remettre droite, s'il vous plaît ? Vous pouvez remettre la baguette. Ok. Merci. Donc vous êtes bien Nani. Est-ce que Nani est Madame Dardenne ? Est-ce que vous êtes Madame Dardenne ? Est-ce que la porte, elle est bloquée de la... Est-ce que vous êtes plusieurs ? Non. Elle ne claque plus, la porte ? Non. Est-ce que vous êtes plusieurs ? Ouais, ok.
Jill, la porte, elle claque plus, la Elle claque plus. Mais non, elle n'est pas bloquée. Et c'est pour elle ça est que pas je bloquée. Si elle est bloquée ou pas, la porte, elle claque plus. Regarde, regarde, je tourne de nouveau. Faut éclaircir la situation du qui est là, du coup. Ouais. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes non-genré? Oh, l'autre baguette! Oui, ben c'est ça. Je pense à même plus que toi, Ami. Ouais. Ah! C'est la première fois qu'elle bouge. Elle est non-genrée. Non-genrée? Ni femme, ni homme. Ouais, je suis pas bon, je suis pas bien. Attends. Laisse-le revenir. Je remets ma main juste pour qu'elle puisse se remettre. Si ça peut te rassurer, dans la culture, les non-genrés, ce sont des anges. Ou pas. Ouais, ou. Ou l'autre. J'essaye de la rassurer. Attendez, c'est moi qui bouge là, je remets. Tu veux que je te remplace, Jim? Tu veux essayer? C'est toi qui vois. Tu peux essayer. Enlève juste tes gants. Je sais pas comment faire, mais tu tiens juste. Oh. Tu veux que j'essaye? Vas-y. Regarde là. Quelle est là? Vas-y, enlève tes gants. J'ai compris. Tu les tiens. Tu peux me tenir ça? Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? What? J'ai mes mains, mes bras sont remplis de frissons. Voilà, tu les tiens bien comme ça. Voilà, et tu bouges plus. Et là, tu t'attends et tu poses ta question. Je tremble un peu, c'est pas grave. C'est pas grave. Je tremble, mais j'ai chaud. Est-ce que vous avez été vivant? Tournez la baguette de droite à droite. Si oui. Sinon, rentrez-la vers l'intérieur. Je crois qu'ils s'en foutent des baguettes. Là, tout de suite, il ne parlait plus. Il ne parlait plus via les baguettes, mais uniquement... Allez, là tout de suite, il parlait plus via les K2, mais uniquement via les baguettes. Mais non, c'est que les K2 qui réagissent quand tu lui dis un truc. Bah, il joue un peu, quoi. Avec nous, hein. Est-ce qu'il faut qu'on monte à l'étage? Est-ce qu'on doit rester ici? Est-ce qu'on doit descendre dans la cave? Est-ce qu'on doit s'en aller de cet endroit? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Donc, communiquer avec nous. C'est censé être la dernière question, hein? Ouais, ok. Attends. Il y a un mauvais truc? Non. Je sais pas, j'ai peur. Tu veux que je passe devant? Tu veux que j'aille moi? Non. Oh, je me promène partout, j'ai jamais peur. Pourquoi je suis? N'importe quoi. Pourquoi pousser? Meuf. Quoi? Attends, deux secondes, on se pose là. Fais gaffe, il a été poussé ici apparemment. Ouais, me dis pas ça, me dis pas ça. Laisse-moi passer, je pète dans l'escalier. Pourquoi j'ai peur ici? Tu me vois depuis tout à l'heure. Putain, j'en ai marre, d'habitude je m'adapte à ma lumière et là je m'attends. Quand tu m'as dit il a été poussé, mon cœur il s'est serré mais comme jamais. J'ai eu peur pour de vrai quoi. K2. Ah ouais, ici c'est... J'ai plein de frissons dans tout le corps, moi. Ou de la bienveillance, de la bienveillance, de la protection et de la bienveillance. De la bienveillance. C'est quoi? Chante. De la bienveillance. Je vais tomber à court de batterie aussi sur mon facecam. Je comprends pourquoi tu disais ça. Tu comprends pourquoi je disais quoi? Peut-être je m'emballe juste avec ma peur, mais je suis pas bien. Non? Tu vois bien, je me dis, je me promène partout tout à l'heure et tout, je suis pas bien. Non, mais quand elle me l'a dit, par contre, tout mon corps s'est arrêté de vivre, par contre. Ok, bon. Allez, de toute façon, tout va bien. Tout va bien. Adieu. Bon, voilà, on continue donc juste à l'iPhone, parce qu'on a plus de cam. Amy, comment tu te sens? J'aime, franchement... Je me bats, en fait, parce que j'aime pas... Depuis, moi, je me promène toujours, tu me connais. On est monté, j'aime pas, là. Non. Ici, spécialement... Je sais pas, j'ai peur, j'ai vraiment peur. Ok. J'ai vraiment un sentiment de peur que j'ai pas d'habitude. Tu vois bien, je déambule comme je veux et tout. Je sais pas si c'est parce que c'est plus glauque, parce que c'est les chambres, et peut-être qu'il est mort là, ou je sais pas, et du coup, j'imagine la scène, j'en sais rien, mais je suis pas très bien, et je vous laisse passer devant, du coup, cette fois. Le cadeau ici devant l'escalier... Je passe pas trop dans l'escalier par contre.
Ici ? Pardon. Celle-là. Ok. Ouais, celle-là. Attends, mais j'aime pas parce que j'ai l'impression qu'il y a un... Ok, je vais y aller. Oh, il y a comme un truc, comme si c'était... Comme si quelqu'un avait fait une cachette, comme ça. Oh, regarde. Ouais, me dis pas ça, en fait. Me dis pas ça. On se pose deux secondes, là. J'ai des frissons. Je suis pas à le filmer, en fait. Ok, je vais le faire moi, je vais le faire moi. Je vais le faire moi, je vais le faire moi, je vais le faire moi. Je suis paralysée par tout ce qui se passe. Prends le K2, je prends là, je te donne ça. Tu veux que j'aille voir ? Je prends la lampe. Tiens. Ok, j'aime juste pas ça, parce que c'est comme si c'était une petite cachette. Ça sent pas bon. Ça sent vieux, quoi. Non, ça sent le mort, vieux. En fait, c'est juste que là, tu vois, c'est comme si on avait fait un amas de trucs pour faire une cache. De cachette. C'est une malle. Oui. Je... Ça sent l'humidité de partout. Tu vois, c'est trop bizarre comme ça a été mis, tu vois, comme si c'était mis ici pour que tu caisses, quelqu'un se cache derrière. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas très drôle comme blague, ouais. C'est pas hyper marrant. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a rien au sol, tu vois, il y a pas un petit lit de fortune qui a été fait ou... C'est pas, c'est comme si c'est juste pour faire peur aux gens quand ils rentrent, pour leur donner l'impression qu'il y a quelque chose. Oh, regarde. C'est le couloir qui me fait flipper, moi. Ouais, c'est... Tout est dans le couloir. Dès que ça s'excite, c'est dans le couloir. Et dès que j'ai peur, c'est dans le couloir. Non, j'aime pas ça. Faites gaffe parce que c'est la rue en face. Ok. Okay. C'est quoi tout ça là ? Je sais pas, c'est des vaches. Moi, je t'avoue que je te cache pas que ça me rassure un peu. Ici, je suis bien. Là, ouais. Ici, ouais. C'est moi et tout. Monte un peu, Jit, tu vas voir. On est bien ici. On est... C'est plus cool. Je vais monter des escaliers. Moi, j'ai moins d'angoisse. C'est fou quand même ce truc de flipper de ouf en dessous là. Faire par croire à tes trucs. Je vais rentrer chez moi, je vais m'enfermer, je vais être là comme ça. C'est la dernière date à laquelle ils vivaient ici ? 2001 ? J'en ai trouvé de 2001 maintenant. 2016 ? 2016 ou 2010 ? Oui, c'était la première dame Carla Bruni, donc oui, ça fait un moment là. Ah non, 2010, pardon. Ah, ici, regarde. Quoi ? Ici, ouais, c'est 2011. C'est la 2011. C'est tous les dos ? Avec moi. Mais pas ton... On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de descente, mais mets pas ton pied parce qu'il y a de l'eau jusqu'au cheville. Mm-hmm. On dirait pas, mais... Ah oui, putain, oui. Ah ouais ? Enfin oui, il y a de la flotte à mort, quoi. Ah non, 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 il n'y a pas d'eau. Mais non, il n'y a pas d'eau. Mets ton pied. Mais non, il n'y a pas d'eau. T'as de l'eau... Ouais, mais ouais, tu vas avoir les pieds mouillés, quoi, mais... Ah ouais. Putain, il y a des pots de confiture aussi. Ouais, il y a des pots de confiture. Tu vois rien.
Au-dessus de toi. Ah oui, là, oh là. Il y a pas de conflit. Ah ouais. Ouais, y a rien à part. Bon, on saura jamais de toute façon, mais. Y'a rien. Cette porte qui arrêtait pas de bouger, qui ne bouge plus. Ouais. Ça, c'est quand même incroyable. Dès que je passe ici avec ce truc, ça s'enflamme. C'est fou, non? T'as vu depuis tout à l'heure, dès que t'as ça, ça s'enflamme. Pas trop de lumière dessus. Ouais. Bien. Que chez toi. Depuis tout à l'heure, je te parle de la cave. Ouais, c'est vrai, ouais. T'as quelqu'un qui est mort dans la cave, j'en sais rien. Ça c'est bien de nouveau blindé, là. Bon, allez, on sort avant que toi ouais, tu te... Ouais, on va y aller. Merci de nous avoir guidés à travers votre maison. Au revoir. Soyez en paix. Si vous voyez de la lumière, dirigez-vous vers la lumière. Bonne soirée à vous et merci de ne pas nous suivre, s'il vous plaît. Ok, on va y aller parce que... Ça va. Je suis contente de m'être barrée, pour de vrai. C'était l'enfer. Ouais, au début, ça allait hyper bien. Franchement, ça faisait super longtemps que j'avais plus aussi peur dans un endroit. Bah moi, j'ai jamais. Genre, j'ai perdu tous mes moyens, alors que dans mes dernières vidéos, j'arrivais justement à garder mon calme, à ne plus avoir peur, à ne plus crier. Et là, genre, j'ai perdu tous mes moyens, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, au début, je prenais ça comme un jeu, un peu, j'avais envie de comprendre et tout. Et dès qu'on allait au premier étage, je sais pas... En plus, ça me ressemble pas, j'ai honte. En vrai, j'ai honte parce que ça me ressemble pas du tout. Et au premier étage, j'avais envie qu'on s'en aille. Ouais. Je me sentais pas bien. Donc, je sais pas après, est-ce que c'est de la peur qui m'envahit d'un coup, peut-être. Mais ouais. Non, il y avait des trucs bizarres, ça claquait de partout. En plus, ça résonnait, tes engins, ils n'arrêtaient pas de biper. Bref, à la fin, c'était trop là. C'était trop. Mais ouais. C'est surtout que moi, à la fin, j'ai vraiment eu cette impression de ne plus avoir la capacité de faire ce barrage que j'arrive à faire maintenant quand je vais dans un lieu. J'arrive vraiment à me dire. Ok, tu fermes le truc, y a rien peut t'arriver, ça peut pas s'accrocher à toi. Et à la fin, je sentais que j'avais plus cette force que pour tout retenir. Donc je me dis, ouais, c'est mieux qu'on se barre, quoi. Moi, ce qui m'a surpris, c'est les différences de température. Ouais. Enfin, je sais pas si tout le monde les sentait pareil, mais. Mais toi, à un moment donné, t'avais tes mains brûlantes, alors que moi, mes mains étaient gelées. J'étais froid, au hyper chaud, ouais. D'un coup, je suais sous mon bonnet et tout. Enfin. Ouais, je sais pas, c'est bizarre ton truc. Et comment t'as perçu l'expérience? C'est hyper cool, tu vois. C'est hyper, c'est un peu, c'est nous, on est du côté, on regarde, on est un peu fasciné, on a envie, tu vois. Ça fait très film et tout. Moi, j'avais envie d'écrire un milliard de trucs là-dedans. Mais à partir du premier étage, tu m'as perdu. Ah, c'est fini. Non, vraiment, tu m'as perdu. Après, quand on est monté dans les combles, ça allait, bizarrement. Mais le premier étage, je sais pas. Dans la chambre du couple, quoi. Le couloir. Et le couloir, pas forcément devant l'escalier. C'est vraiment le couloir, moi, où je voulais pas rester là, quoi. J'allais soit dans une chambre, et dans l'escalier, je lui ai dit, mets-toi derrière moi. Alors que je suis la première à aller en avant d'habitude, là, je sais pas, je me suis sentie en danger. Bizarre. Ouais, okay. Je sais pas. Oh bon, en tout cas, ça vaut la peine d'essayer de trouver les énigmes de ce lieu, de savoir ce qui s'est exactement passé là-bas, comment sont décédées les personnes qui sont mortes dans cet endroit, parce qu'on n'a pas de réponse à ça. On essayait de communiquer avec eux, mais les réponses partaient un petit peu dans tous les sens, donc c'était très dur. Voilà, c'était très dur d'avoir quelque chose de clair, quoi. Oui. Donc, franchement... Au final, on ne sait même pas dire si c'est une femme, un homme, enfin... C'était trop bizarre. Ça vaut le coup d'y retourner, je pense. Ouais. Avec du courage. Et moins de vent. Qu'est-ce que j'ai dit? Et moins de vent, parce que ce sera peut-être plus, moins aussi... on sera peut-être moins obnubilé par certains trucs. Par tous les bruits, les portes qui claquent, les fenêtres qui claquent. Ouais, parce que je pense que le vent nous a mis déjà dans un mood un peu... Ouais. Faut dire qu'on est en pleine soirée de tempête, en plus, c'est... Ah ouais, toutes les conditions étaient réunies pour bien flipper, quoi. Oh bon, on a bien flippé, là. On a bien flippé. Oui, j'ai eu ma dose. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu. Vous abonner à la chaîne d'Emmy si ce n'est pas encore fait. Ce sera à mon avis déjà fait. Mais je vous souhaite quand même une très belle soirée ou une très belle journée. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle exploration. Ciao.